Alors, il y a trois choses que j'ai particulièrement appréciées quand j'ai fait l'interview avec David Job. La première, c'est que eh bien, c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de poser des questions qui sont originales, des questions qu'on n'entend nulle part ailleurs. On ne nous sert pas les mêmes questions que n'importe quelle interview. Ça, c'est plutôt chouette parce que ça oblige à se tordre un peu le cerveau puis à donner des réponses qu'on n'a jamais données. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Et puis, je pense que ça fait toute la valeur aussi et la particularité des interviews de David. L'autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui s'adresse vraiment dans son sujet à des gens très, très différents, d'horizons très, très différents, avec une belle universalité. Je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très appréciable. Troisième chose, eh bien, c'est la qualité d'être en fait de David. On sent que c'est quelqu'un qui est sincèrement à la recherche de clés, qu'il est sincèrement dans le désir de créer de la valeur pour sa communauté. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment à tamponner et à encourager. Donc, merci à toi, David, de m'avoir donné eh bien la chance, le plaisir d'avoir pu passer ce temps avec toi. Et puis, quant à vous, eh bien, je vous recommande chaudement et vivement de découvrir eh bien cet univers particulier des interviews de David, Chronospace, si je me trompe pas. Voilà.